Alors, vu que je me fais chier comme tout le monde, je pense, je vais vous filmer mon make-up. Genre, comment je make-up et tout. Alors, faut savoir que je sais pas du tout me maquiller, mais je vais quand même vous montrer. Ok? Donc là, je suis sans maquillage, comme vous pouvez le voir, j'ai des trucs là et là. Alors, franchement, je suis vraiment une débile parce que je pourrais pas du tout l'avoir. Genre, c'est vraiment moi, je gratte en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que sinon, j'ai pas le bouton ou quoi. C'est vraiment, je suis trop débile. Mais bref. Donc, pour commencer, moi, j'utilise cette crème là, c'est la Kylie Skin. Donc voilà, je l'ai acheté franchement juste parce que c'était Kylie qui l'avait faite. Mais finalement, elle est grave bien. Genre, franchement, elle hydrate. Donc, je disais franchement, elle hydrate grave bien. Et en plus, elle dure archi longtemps. Genre, dites-vous, je l'ai acheté en Pologne en août. Et là, on est en novembre et il y en a encore. Donc, franchement, elle est trop bien. Voilà. Donc là, je vais l'appliquer. Donc, on s'en fout, je reviens. Donc, voilà, là, je viens d'appliquer ma crème. Donc, maintenant, je vais passer au fond de teint. Donc, moi, je l'applique au Beauty Blender. Voilà. Et j'ai deux fonds de teint. Donc déjà j'ai celui-là, le NYX Born to Glow. Donc ça je l'avais acheté quand j'étais pauvre. Et ça j'ai acheté le Dior il y a un mois. Donc voilà, sauf qu'en fait je suis allée à Sephora. Et à Sephora ils conseillent très mal. Et en fait elle est beaucoup trop claire pour moi. Ça veut dire que du coup bah, je mélange celle-là et celle-là. Donc voilà, je vous montre après le résultat. Donc voilà, j'ai fini de me mettre le fond de teint. Donc je trouve qu'il cache bien. On voit plus les petites rougeurs que j'avais ici. Donc après je passe à l'anti-cerne. Donc moi j'ai le anti-cerne de chez Dior aussi. Il est où celui de plus? Il est là. Donc j'ai celui-là. Voilà. Mais je trouve qu'il est bof parce que moi j'ai la peau sèche et il m'assèche grave là. J'aurais des petites ridules et tout. Mais bon, j'ai que celui-là en ce moment, donc je vais quand même le mettre. Voilà. Bref, maintenant je vais tapoter au Beauty Blender et je reviens. Du coup voilà, j'ai mis mon anti-cerne. Donc maintenant je vais passer au contouring. Donc je vais me contourner le visage, la gueule et le nez. Donc il faut savoir qu'avant je faisais jamais le contouring de mon nez. Mais depuis que j'ai fait ma rhinoplastie, bah, je trouve que mon nez est toujours super gonflé. Genre je le trouve énorme en fait. Du coup je suis obligée de le contourner en fait. Et de base j'utilise ça. Donc de chez Kat Von D's. Elle est comme ça. Mais je la trouve trop pigmentée en fait. Elle est super pigmentée. Juste je prends un petit peu, je fais ça, mon nez il est marron. Ça veut dire que c'est trop compliqué à travailler. Moi je suis vraiment pas douée en plus. Donc j'utilise la Oula de chez Benefit parce que je trouve qu'elle est moins pigmentée et c'est plus facile à travailler. Et j'utilise le pinceau ombre à paupières de chez Sephora pour faire mon nez. Donc voilà. Donc pour faire mon nez, je fais comme ça. Donc je fais deux traits. Genre là et là. Puis après j'estompe. Voilà. Donc voilà, là j'ai fini. Donc je sais pas si vous le trouvez plus fin, mais moi je le trouve plus fin. Voilà. Donc maintenant je vais passer au contouring du visage. Donc j'utilise ce pinceau-là de chez Sephora aussi. Et donc franchement, je sais pas trop le faire, hein, me jugez pas. Je suis juste comme ça quoi. Hop, j'en mets là aussi. Parce que j'ai vu quelque part qu'il faut faire en trois, genre comme ça. Hop. Et je fais la même chose de l'autre côté. Voilà. Donc voilà, j'ai fini le contouring de mon visage. On voit pas trop, mais ça fait mieux. Genre, je suis plus bronzée et tout. Ensuite, ce que je fais généralement, c'est mes sourcils. Mais franchement, là, c'est la catastrophe. Genre, vous voyez mes sourcils? Là, ils sont super laids. Je devais faire un microblading, mais vu qu'il y a le confinement, je fais pas. Du coup, bah, moi, j'utilise donc ça de chez Benefit. Et franchement, juste, je mets un peu de couleur, quoi. Pour qu'il soit pas trop clair. Genre juste comme ça. Après, je brosse vite fait. Et c'est tout ce que je fais. Parce que, genre, je trouve faire les sourcils, c'est trop compliqué. Genre vraiment. Du coup, voilà. Bon, après, ce que je fais, c'est que je mets un peu de l'highlighter. Même si je trouve que c'est un peu démodé, mais j'en mets quand même. Donc, j'ai acheté celle de chez BK, moi. Parce que je demandais à la meuf de chez Sephora, c'est quoi le meilleur highlighter. Elle m'a dit, c'est ceux de chez BK. Après, je trouve pas qu'ils soient ouf. Parce que je trouve pas qu'il soit trop pigmenté, mais bon. Donc j'utilise ce petit pinceau-là de chez Sephora. Et genre j'en mets sur mon nez. Comme ça. Vite fait là. Hop. Sur la lèvre. Ici. Et ici. Pour que ce soit plus clair, genre. Pour illuminer le regard. Voilà. Ensuite, pour finir, je fais ma bouche. Alors, généralement, je la fais pas parce que j'ai la flemme. Mais vu qu'en ce moment, je trouve que, regardez, elle est beaucoup plus fine qu'avant parce que mon acide est presque tout parti, bah, je suis obligée de mettre du crayon, quoi. Donc voilà, parce qu'en plus, je devais aussi faire mes injections, mais avec le confinement, je ne peux pas les faire.
Donc je prends un crayon, généralement celui de chez Sephora. Je fais juste les contours. Voilà, comme ça. Et après je mets mon gloss de chez Too Faced, le lip injection. Donc voilà, il pique un peu, hein, je vous préviens. Et franchement il est super bien et il sent trop bon. J'ai envie de le grailler. Donc voilà. Ensuite je fais un truc, franchement je trouve que c'est grave inutile, mais quand je suis allée à Sephora, la meuf elle m'a conseillé. Donc elle m'a dit oui, achète une poudre libre et achète le gros pinceau pour en mettre parce que ça fixe le maquillage, ça évite de briller, je sais pas quoi. Du coup je l'ai écouté, mais bon je trouve que t'as pas trop de différence. Mais j'en mets quand même parce que ce pinceau là il m'a coûté 50 balles, ok. Et ça aussi c'était grave cher, je sais plus c'était combien, mais c'est la Laura Mercier, apparemment c'est la meilleure. Donc ça s'appelle Make Up Forever celui-là. Et voilà, donc ça ressemble à ça. Voilà, donc je mets le pinceau et j'en mets quoi. Donc apparemment ça lisse la peau et ça évite de briller, je sais pas quoi. Donc voilà, je le fais pour rentabiliser, c'est tout. Et pour finir, pour que ça tienne, je mets du spray fixant. Oh, ça m'énerve, j'ai des voisins, ils marchent archi fort au-dessus de moi. En plus hier j'ai regardé le trait d'horreur de Squeezie, du coup ça me fait un peu peur. Bref, du coup j'utilise le Urban Decay. Urban Decay. Donc apparemment c'est la meilleure. Donc oui, parce que moi quand je vais chez Sephora, à chaque fois je demande c'est quoi les meilleurs produits et ils me conseillent. Parce que je ne connais vraiment pas du tout en maquillage. Donc voilà. Et après bah voilà, je spray ma gueule pour que ça tienne. Du coup, voilà, pour finir. C'est comme ça que je me maquille tous les jours. Est-ce que dites-moi si vous aimez bien, si vous préférez sans, comme ça. Dites-moi, elle me critiquait pas trop. Hein.